Ok, j'ai des yeux qui pleurent parce que je pense j'avais parce que j'avais mis l'écran solaire, mais je pense aussi en me levant j'ai mis crème à acné, peroxyde benzoyle. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce en français, mais puis là j'ai attendu comme une heure ou 30 minutes. Faut que ça rentre dans ma peau, mais après j'ai mis l'écran solaire sur mes yeux, etc. Puis je pense que c'est ça qui cause mes yeux qui larment. Mais en tout cas, normalement avec les yeux qui larment, ça me prend une bonne 30 minutes à une heure avant que ça parte. J'ai mis une serviette dessus pour aider, mais non, ça continue. En tout cas, il est 7h56 le matin, jeudi le 6 juin 2024, et je m'en vais au gym. Je me suis réveillé à 5h30. Je pense que j'étais endormi entre 10h et 11h, je crois, parce qu'hier, j'ai rien fait. Puis, ça va être ma deuxième journée sans caféine. Demain, je vais enseigner à l'hôpital. Et c'est ça. Donc, j'essaie d'enlever la caféine. C'est plus dur. Et demain, si ça marche pas, au moins j'ai l'option de prendre un petit peu de caféine. Puis voilà, je garde mes yeux fermés pour marcher en même temps. Mais c'est ça, j'avais pas de... Tu sais, je suis très en arrière avec beaucoup des années des impôts depuis que j'ai perdu mes entreprises, tout ça. Et là, j'ai fait 2017-2018 avec un comptable qui appelle pas, qui est confondu, qui... Mais regarde, j'ai pas beaucoup de bonne expérience avec des comptables, mais... Là, j'ai texté pour voir si son assistante a envoyé les documents à Revenu Québec, puis pas de réponse, pas de réponse, deuxième reprise, tout ça. Puis finalement, un matin, j'ai vérifié mon compte banque parce que, tu sais, il y a des choses qui se vident. Puis finalement, j'ai vu que j'ai de l'argent de TPS dedans. C'est comme, ah, OK, donc, ça a été reçu et voilà. Donc, je peux continuer avec 2020. Tu sais, je peux continuer. Bon, ben c'est pas motivant, mais c'est... Ça va, c'est pas décevant.